Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, venez me rejoindre sur Patreon, venez me rejoindre aussi sur Instagram, j'en ai marre. Je commence à activer ça un peu aussi. Patreon, j'en ai marre, Instagram, j'en ai marre. Venez me rejoindre sur Facebook, Jean Granger. Venez me rejoindre sur mes deux autres chaînes aussi. Beaucoup de tous les sujets traités de façon toujours audacieuse, OK? Disons-le comme ça. Heureux de vous retrouver. 15 novembre, même si on a l'impression que c'est le 15 décembre ou le 15 janvier, c'est le 15 novembre. Puis il n'y a pas de crise d'hystérie. On met un thermomètre sur un immeuble en plein milieu de l'été, puis il fait 37 degrés, puis on essaye de déclencher une folie furieuse, puis un alarmisme. Mais c'est l'été, tout le monde a pris ses vacances, puis on espère qu'il fasse beau. Là, on est en hiver, le 15 novembre, pas un seul mot d'hystérie. Deux poids, deux mesures. Merci d'être là en ce 15 novembre 2019. Les cousins français, les amis européens et tous les autres, de partout vraiment, merci de votre participation. Merci des liens, des messages que vous m'envoyez, dont celui-là. Ici, vous le savez, on va explorer toutes sortes de sujets. L'intelligence artificielle, les extraterrestres, l'histoire aussi, l'ancienne histoire. Et c'est ça qu'on va faire maintenant, parce qu'on n'a pas peur d'aller explorer l'ancienne histoire, parce que tout va être réécrit de toute façon, parce que l'histoire qu'on a, c'est vraiment banal, c'est vraiment partiel, c'est de l'histoire qui a été écrite avec des idées préconçues, des esprits fermés, il ne faut pas oublier ça aussi, là. L'histoire qui a été écrite, là, qu'on lit dans les livres d'histoire, c'est des gens qui ont écrit ça il y a longtemps, qui avaient des buts précis, qui avaient des agendas précis, puis qui avaient l'esprit fermé, puis qui n'avaient aucune technologie avec eux autres. Donc, c'est sûr que l'histoire qu'on a là, c'est vraiment du n'importe quoi, puis c'est fragmentaire. Ceci étant dit, on s'intéresse à tout, comme je vous le dis, et l'Arche de Noé, c'est une histoire qu'on suit des fois aussi du coin de l'œil, ou tous les récits bibliques, hein, parce que c'est important de comprendre que ces choses-là ont été écrites, puis qu'il doit avoir à un moment donné un fond de vérité là-dedans, comme l'Atlantide de Platon, comme les Néphilim, les anges, les géants, tout est mentionné dans les écrits bibliques, peu importe, les écrits saints même, peu importe de leur origine. Donc, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui... Il n'y a pas juste du délire puis de la fantaisie. Donc, l'Arche de Noé et les documents déclassifiés de la CIA, ça m'a été envoyé par un abonné qu'on salue. Toutes les informations dans cet article, même si autrefois secret, ont été déclassifiées par les organismes compétents et publiées par le Freedom of Information Act à Clifford A. Pavan, qui l'avait demandé. L'anonymat ou l'anomalie du mont Ararat n'est pas l'arche, mais plutôt une structure géologique et peut-être culturellement modifiée. L'arche est la photo de Simon Arslan, image traitée par Clifford et Pavan, est à l'altitude de 16 500 pieds dans la section nord-est du volcan. Le docteur Arslan, qui a pris la photo en 1989 pour M. Robin Simons, affirme que la zone sévèrement crevassée est très dangereuse et apparemment inaccessible. Le docteur Robert Gates, secrétaire à la Défense actuelle, a ordonné une des nombreuses enquêtes précédentes sur la position de l'Arche dans le milieu des années 1990. Le danger pour le monde, en ce qui concerne précisément comment un tel navire massif est parvenu à se positionner sur un volcan haut de 17 000 pieds, continue d'être une menace pour la sécurité internationale. On peut voir la fameuse photo en question. Hein? Donc, BSM Research Associates traite de la CIA et des investigations d'imagerie de l'agence Geospatial Intelligence Agency concernant le mont Ararat. L'Arche et des discussions avec la Defense Department National Reconnaissance Office, la NRO, elles ont eu lieu sur une unité de télécommunications sécurisée téléphonique en 1999 au laboratoire Dahlgren du Naval Surface Warfare Center. Pendant que je travaillais en tant que physicien, les informations concernant le navire ont été classifiées au moment de la conversation en 1999. Cachées bien sûr du grand public, mais révélées à moi par le biais du téléphone STU de la Defense Intelligence Agency et la DIA et du NRO. Mon engagement portait sur l'application de techniques de traitement d'images appliquées à l'imagerie disponible du navire. Ces événements ont suivi le mandat de l'actuel secrétaire à la Défense Robert Gates et son abandon de ses responsabilités en matière de sécurité nationale concernant la vérification et la validation de la position du navire sur le stratovolcan du mont Ararat en Turquie orientale. Les craintes concernant des embarras personnels et professionnels peuvent avoir influé sur son courage au sujet de cette enquête d'une importance capitale. Le Dr Gates a peut-être confondu anthropologie historique et géophysique avec l'illusion de la religion. Le concept de religion est un moyen sûr de manipulation, n'est-ce pas, pour les employés du gouvernement. L'arche a été statuée comme, existante et la photo Simon Arslan confirme qu'elle est située dans la section nord-est du stratovolcan, très près du sommet, au nord-ouest de la gorge Aora. Le navire a été photographié par le docteur Ahmet Arslan en 1989 sous la direction et le financement de Robert Simons. Un des cadrages, le numéro 2, a été largement examiné ici à BSMRA qui a abouti à l'extraction du navire du fond ambiant. L'image a été finalement transmise à la CIA et à l'agence Geospatial Intelligence à partir d'ici. L'objectif de la transmission des informations sur l'arche était de donner au directeur de la Central Intelligence une réelle photo de l'arche traitée et pour corriger l'erreur sur le mont Ararat qui avait été largement diffusée et son détournement orienté. Les photos d'anomalies sur le mont Ararat rendues célèbres par le docteur Porcher Taylor du Centre for Strategic and International Studies à Washington. L'anomalie du mont Ararat est une formation géophysique de roches et éventuellement modifiée culturellement, située à environ 1000 pieds au-dessus du navire, dans une direction sud-est. L'anomalie est sur le bord du plateau de la caldeira, ayant été d'abord photographiée par la nouvelle CIA le 17 juin 1949 par un équipage d'un bombardier B-29 et de la US Air Force en mission. Bien que la CIA ait été impliquée dans la recherche de l'Arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie depuis juin 1949, voir les images ci jointes, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, une recherche dirigée a commencé par le Dr Robert Gates, secrétaire à la Défense pour George W. Bush et le président Barack Obama de 1993 à 2011. 2 ans après que Insight ait fait appel à charge, puisque la CIA avait refusé de révéler des documents et images concernant l'anomalie du mont Arafat en Turquie, la CIA a publié deux nouveaux documents pour Insight qui indiquent que la recherche pour l'Arche de Noé a atteint le niveau de la Maison-Blanche sous l'ancien président George W. Bush. L'appel déposé un mois après le reportage exclusif d'Insight, voire Anomalie ou Arche de Noé, on se demandait, hein, 20 novembre 2000, vient de réussir à libérer les milliers d'images satellitaires de la CIA qui seront bientôt disponibles sur le site web de l'Agence nationale Imagery and Mapping. Il n'est pas clair si les images du mont Ararat y seront incluses. L'histoire exclusive d'Insight a marqué la première fois le public lorsqu'il a... Ils ont pu voir des photos en haute résolution de l'anomalie située à 39 degrés 42 minutes de latitude nord et 44 degrés 16 minutes de longitude est. Insight a eu un contrat avec Space Imaging pour manœuvrer son satellite Iconos afin de zoomer sur l'anomalie. Par la suite, Insight a embauché une équipe de scientifiques et d'ingénieurs pour examiner les photos et déterminer si l'objet en question était fait par l'homme ou de la roche. 4 des experts prétendent que c'est fait par l'homme, 2 croient que c'est une roche et disent que les preuves ne sont pas concluantes. Malheureusement, la communication des documents supplémentaires n'offre aucune preuve de plus de ce que l'objet pourrait être, mais seulement soulève plus de questions pour lesquelles la CIA continue de tenir les registres classés. L'un des documents publiés est un mémo de 1995 provenant d'un agent qui a eu une conversation avec John Hanford, alors membre de la Air-Ind du personnel du sénateur Richard Lugar. Hanford a apparemment rappelé une réunion à la Maison-Blanche sous l'administration George W. Bush, dans laquelle Robert Gates, alors directeur de la Sécurité nationale, a montré l'une des anciennes images de la région du mont Ararat à plusieurs personnes à la réunion. M. Hanford a déclaré que l'imagerie a montré quelque chose qui sort de la glace et la neige, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, vous pourrez voir tout ça. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. La note de service a été déclenchée par un article du journal qui a suggéré que l'imagerie du mont Ararat pourrait être rendue publique en vertu de la décision de l'ancien président Bill Clinton de remettre des documents historiques. L'agent de la CIA dit dans la note que de telles images peuvent être ou ne pas être inclus dans le document déclassifié. On voit ici le fameux document en question, de l'image. J'essaie de zoomer pour voir si je peux vous agrandir ça. Hein? On se demande bien ce qu'est cette anomalie, naturellement. Vous pourrez faire la même chose. Hein? Je vais laisser le document. Vous pourrez zoomer ces images-là. Donc, l'autre dossier concernait un examen que l'administration H. W. Bush a mené entre 90 et 92 concernant le mont Ararat. Le dossier était en réponse à l'ancien directeur de la CIA, James Woolsey, qui a demandé ce qui en coûterait d'entreprendre un examen plus exhaustif de tout le matériel. À l'époque, le prix a été jugé trop élevé pour faire une telle recherche. Woolsey a dit que cela prendrait un analyste 6 mois pour compléter une telle étude. Il semble que l'étude n'a jamais été achevée. Donc, vraiment intéressant. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description, tous ces documents, hein, concernant la relique. L'une des plus anciennes villes du monde, fondée il y a 9500 ans, et qui se trouve dans la région turque à proximité du mont Ararat, détient peut-être une relique stèle liée à la présence de l'arche ou de son créateur, voire en bas de l'article. Donc, tout est là. Je vais vous laisser tout ça. C'est vraiment intéressant. En tout cas, la CIA s'intéressait au mont Ararat, à l'arche de Noé, les présidents américains aussi, probablement tout le monde aussi. Donc, les récits bibliques qui semblent vraiment, en tout cas dans certaines de leurs histoires, peut-être véridiques, entre autres. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous irez fouiller ça vous-même. C'est vraiment fascinant.